Un adolescent de 15 ans a été mortellement poignardé samedi soir rue de la Roquette au cours d'une bagarre entre des bandes des 11e et 20e arrondissements de Paris. Deux jeunes sont en garde à vue. Samedi soir, la rue de la Roquette a été le théâtre d'une violente bagarre entre une bande du 11e arrondissement et une autre du 20e. Fermez les guillemets, lire aussi une quarantaine de bandes violentes actives en région parisienne au cours de la rixe, dont les causes restent dimanche midi inconnues. Un adolescent de 15 ans a été grièvement blessé à l'arme blanche. Arrivé sur place, un passant puis des policiers et les secours ont tenté de porter assistance à la jeune victime, avant que celle-ci ne soit transportée en urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où son décès a été déclaré peu après 21h. Une autre personne a été blessée plus légèrement. 50 jeunes ont déferlé dans toute la rue. Il y a quelqu'un qui a essayé de faire un massage cardiaque, et après les policiers ont bouclé le quartier. Selon la police, les arrondissements parisiens les plus concernés sont le 18e, le 19e où un jeune de 18 ans a été abattu lors d'une rixe, le 22 septembre dernier le 20e, le 12e mais aussi le 13e, le 14e et le 17e. En 2016, nous avons identifié 126 membres présumés de bandes dans Paris et sa petite couronne. On n'est pas dans le phénomène des gangs. Il n'y a pas de structure, pas de chef. On est plutôt sur des groupes évolutifs en fonction des quartiers. C'est un phénomène qui avait un peu disparu, et qui a ressurgi, il y a 2 ou 3 ans, expliquait le commissaire du 20e Jacques Rigon, chef du 2e district à l'AFP. Sur les 18e et 19e arrondissements, il y a des FIGHT combat NDLR avec des 12, 13 ans, avant c'était 16, 17 ans, selon lui.
Quant à la répression, cette interpellation systématique et placement en garde à vue dès qu'il y a un rassemblement, avec des armes comme des bâtons, puis une enquête de la Sûreté territoriale de Paris est ouverte. Quatre minutes après cette terrible agression, ils se trouvaient là, et interpellaient cet homme sur lequel ils ont retrouvé le couteau.